Ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter, de nous dire un petit peu d'où vous venez, votre relation au jeu de rôle et ce que vous souhaitez proposer à la Fédé cette année en termes de compétences, en termes de temps et les sujets qui vous intéressent le plus. Alors, on va commencer par Jean. Hello tout le monde, enchantée pour ceux que je connaissais pas encore. Donc en effet, moi je m'appelle Jean. Pour la faire brièvement, moi j'ai été en mon premier vrai contact, on va dire, avec la FFJDR, c'était dans la préparation du Roll Event qui a eu lieu fin 2020, où j'ai aidé un petit peu à l'animation de la communication sur Instagram notamment. Pour un petit peu mettre en lumière pendant l'événement les conférences, ce genre de choses. Étant donné que moi j'ai moi-même un compte, vu que j'anime le compte de mon podcast, je suis autrice du podcast Meugès Podcast. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai que je suis entrée en contact avec la FFJDR. Sinon, aussi à moi les projets, enfin ce qui m'intéresse le plus. Ce sont les projets, notamment le projet JDRI que j'aimerais bien dans ma candidature. Je me suis clairement positionnée dessus en mettant un peu le lead. En tout cas, j'aimerais bien prendre le lead sur ce projet qui est un assez gros projet que j'aimerais bien un peu développer en équipe et être un peu le lead sur l'idée du jeu de rôle participatif, inclusif et aider les projets un petit peu originaux comme le mien, mais aussi ceux des autres, à se développer parce que je trouve ça vachement ambitieux et vachement intéressant. Moi, mon premier contact avec le jeu de rôle, c'était il y a un certain nombre d'années maintenant. Je devais avoir une vingtaine d'années et depuis, je suis joueuse et MJ à distance comme en réel, en convention même des fois. Aussi, j'ai mes petites conventions préférées. Je suis pas mal habituée du monde associatif. J'ai pas mal été avec Opal Rollist par le passé aussi, Nickel, ce genre d'asso, pour faire des convs et organiser aussi des petits événements. Donc, je suis un petit peu familiarisée à ce monde-là. Et donc, voilà, maintenant, je me dis, il est temps de prendre le lead sur certains sujets. Et, du coup, la FFJDR arrivait à point nommé pour ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de ton engagement et de aussi ton intérêt pour les JDRI. On va parler justement d'autres projets de la FFJDR tout à l'heure. Je vais proposer à Victor de se présenter. Et pour mon côté, je suis un tout nouveau arrivant à la FFJDR. Je viens pour représenter une asso lyonnaise, l'Entre des Gredins. On est une asso qui a pour mission de promouvoir le jeu de rôle dans le maximum de milieux possibles. Et à ce sujet, nous avons monté un projet qui nous fait intervenir, nous, DMJ, en milieu hospitalier. En l'occurrence dans un service pédopsychiatrique d'un hôpital lyonnais. Donc c'est une expérience qui est vraiment super, qui apporte beaucoup à mon sens, ce qui est confirmé d'ailleurs par le personnel soignant avec qui on a pu parler. Du coup, si je me présente pour la FFJDR, c'est dans un premier temps pour proposer de porter ce projet à une échelle un peu plus grande. Je sais qu'il y a beaucoup d'assos qui aimeraient ou ont déjà fait ce genre d'intervention, qui ont pu accomplir ce genre de mission. Et je pense que pouvoir partager ensemble nos ressources, ça nous permettrait d'améliorer la qualité et l'envergure de ce genre d'intervention. Mais ça permet aussi d'améliorer la reconnaissance de cette pratique à l'échelle nationale, en fait. Et je pense que c'est quelque chose de souhaitable. Donc c'est la principale motivation qui me pousse à candidater. La seconde serait que d'un point de vue plus personnel, je me sens très en phase en fait avec une série de valeurs et de projets, notamment les JDRI typiquement, que porte la FFJDR. C'est quelque chose à laquelle j'aimerais bien pouvoir donner de mon temps et de mes compétences. Compétences qui sont celles d'un secrétaire d'asso, donc un petit peu d'organisation, un petit peu d'international, et puis celui aussi d'un rôliste depuis 15 ans, donc tout simplement une connaissance générale du milieu et de ce fonctionnement qui, je pense, sera toujours utile si naturellement les porteurs de projets sont ouverts à accepter cette aide. Et ce sera tout pour moi. Merci beaucoup
pour tout ce que nous a présenté, en particulier justement votre intérêt dans votre association pour toutes les interventions en milieu médicalisé. Oui. C'est effectivement aussi, ça fait partie des initiatives de la FEDE, hein, on le fait avec l'initiative de Rolly 20. On va aussi le faire avec d'autres partenaires bientôt. Et c'est vrai qu'on a effectivement besoin de démocratiser le jeu de rôle dans tous les milieux, même les milieux médicalisés ou les centres médico-sociaux ou les même pour les neuroatypiques, les personnes en situation de handicap, etc. Il y a beaucoup de choses à faire en thérapie et en jeu de rôle. Je vais proposer à Vince de présenter. Merci Diane, coucou tout le monde. Donc moi c'est Vincent, rôliste niçois, Vinsou de mon petit surnom dans le milieu. Donc je suis rôliste depuis plus d'une douzaine d'années. Je suis donc niçois, je représente mon association de jeux de rôle local, c'est pas drôle. Donc comme vous pouvez voir, on a beaucoup d'humour dans le sud, hein. Association de jeux de rôle, c'est pas drôle. Je suis en contact avec la FFJDR depuis pas très longtemps, car c'est particulièrement par le biais de Nice Fiction, un festival annuel de jeux de rôle local et niçois, qui a pour principe de promulguer le jeu de rôle et de faire découvrir cette passion au grand public par l'animation de table et la mise en avant de beaucoup d'auteurs locaux et d'éditeurs locaux, mais aussi sur des tables rondes et des débats sur des sujets scientifiques, littéraires, tout ce qui est lié au milieu du ludique en général. Pour ce qui est de ma part, je suis aussi auteur amateur pour l'instant de jeux de rôle, de jeux de plateau aussi. Je suis dans le milieu, donc rôliste depuis une douzaine d'années, mais dans le milieu des jeux depuis toujours. J'ai une bonne connaissance du milieu et de ses tenants et de ses aboutissants, je pense. Et mes aspirations pour la FFJDR seraient plutôt le rapprochement interrégional entre les associations et les festivals donc ils sont pour l'instant propres à chaque région et un peu chacun dans son coin. J'espère, par entre autres le biais de Nice Fiction aussi, rapprocher les associations et les festivals pour faire une meilleure communication et un meilleur partage des ressources locales en tant qu'auteur et éditeur illustrateur pour améliorer les festivals entre eux. Effectivement, le projet des délégués régionaux fait partie des choses qui nous ont été formulées cette année par plusieurs associations réparties un peu partout en France. Et on avait bien compris la difficulté entre les différentes régions de faire remonter leurs informations, surtout au niveau des festivals, au niveau national, mais aussi de manière interrégionale. Il y avait des disparités en termes d'accessibilité aux jeux de rôle, aux dispositifs, aux infrastructures. Et c'est vrai qu'avec ce projet de délégué, ça permettrait d'harmoniser un peu tout ça et de permettre une meilleure accessibilité aux coins les plus lointains, finalement, par rapport à Île-de-France, en tout cas, qui est aussi la liberté de pouvoir communiquer avec une meilleure, on va dire, un meilleur rayonnement. Voilà. Oui, absolument. Le truc, c'est qu'il y a énormément de festivals locaux et régionaux qui ont énormément de talent en eux-mêmes, mais avec donc la mise en avant des moyens d'Internet et jouer sur des plateformes comme Discord, si on met tous les talents régionaux à disposition du national, ça peut vachement faire du bien à tout le monde. Ouais. Surtout avec le développement du numérique en plus, où il y a numérisation des contenus, donc meilleure accessibilité aussi. Je vais proposer à Dragan de se présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Dragan, rôliste de longue date, et je suis l'auteur d'un jeu de rôle de médiation culturelle qui est lié à l'histoire de l'art dans notre monde. Pour ma pratique du jeu de rôle, j'initie régulièrement des débutants, et je m'applique à constituer des tables mixtes, avec autant de joueuses que de joueurs. Je dirais que j'ai une bonne compréhension des pratiques, en tout cas des pratiques qui fonctionnent, puisque j'ai mené à leur terme 3 campagnes successives de 3 ans et de 5 ans, avec des tables qui étaient toujours renouvelées. Et pour moi, le plaisir, c'est vraiment le truc le plus important de notre activité ludique, avec toujours l'envie d'explorer plus loin ce qu'on peut faire dans le fiction et dans le ressenti. Et sinon, pour le jeu de rôle, je m'intéresse à toutes les pratiques, qu'elles soient classiques ainsi que les nouvelles, les jeux sans MJ, et toutes ces choses qui font grincer des dents une partie de la communauté rôliste, mais ça fait partie du jeu de rôle. Concernant les projets, alors pour ma part, j'aimerais beaucoup donner la parole à des acteurs du monde rôliste, sans privilégier les ténors qui sont déjà bien connus, que ce soit les associations, des auteurs et des autrices indépendantes, mettre en valeur les actions qui sont faites auprès des jeunes, des handicapés, des personnes isolées, et puis je pense que plus on fera connaître l'activité et les actions isolées, plus ça va motiver des personnes à le faire de la même manière. Et ce volet-là, c'est quelque chose qui pourrait prendre
dans l'idée que j'en ai, la forme d'une interview mensuelle ou bimensuelle. Également, comme j'ai constaté l'impact positif de la médiation via jeu de rôle, j'aimerais promouvoir le jeu de rôle dans l'enseignement et les lieux culturels comme les musées, et puis encore plus les bibliothèques qui sont des compléments intéressants aux ludothèques. Ensuite, moi j'attache beaucoup d'importance à la transmission, à la communication, et de ce fait je pourrais effectuer des relectures d'articles de fond de l'FFJDR, tout comme je pourrais en rédiger certains. Maintenant on parle des projets qui me motivent, où je pense que je peux apporter quelque chose, mais il y a aussi des projets que je ne connais pas encore, et apprendre des choses, des nouvelles pratiques de jeu de rôle, ou développer des compétences, ça m'intéresse, je sais que c'est quelque chose qu'on peut faire avec l'FFJDR, donc j'aurais vraiment plaisir à participer à des choses que je ne maîtrise pas encore. Un dernier point, de manière générale, je suis quelqu'un d'organisé et rigoureux, je suis d'humeur égale, je garde mon sang-froid face aux trolls, et aucun jeu de mots avec drôle. Mais ce qui m'importe vraiment, c'est de promouvoir le jeu de rôle, parce que pour moi, c'est le meilleur des médias, et ça a vraiment changé ma vie depuis, depuis l'adolescence. Donc, faites du jeu de rôle, mangez-en. Et à vous de jouer, comme dit le slogan de... Le slogan de la FFJDR depuis quelques années, à vous de jouer, et c'est vrai qu'on compte oui. beaucoup sur la force de la communauté. Je sais que ça n'a pas toujours été comme ça à la FEDE, qu'il y a des moments où il y avait des disparités en termes de force de décision. Aujourd'hui, on laisse énormément la parole à, bah, aux relis, c'est-à-dire qu'on on pose beaucoup de questions, on propose des débats, on propose des. Bah, en fait, on ouvre la parole à un maximum de personnes possibles, on propose beaucoup de tables rondes et de conférences où n'importe qui peut venir s'exprimer. Et puis on s'intéresse énormément aux associations et au tissu social le plus lointain possible, c'est-à-dire les points les plus reculés, même si on s'intéresse bien évidemment à faire des partenariats avec des musées comme tu le disais tout à l'heure, pardon, des médiathèques, des mairies, voilà, il y a le côté institutionnel, mais il y a aussi le côté on va dire à échelle individuelle ou à échelle locale, ultra locale, et des initiatives qui sont très personnelles aussi. Voilà, auquel on peut pas fermer les yeux ou ignorer sous prétexte qu'il y a, y en a trois, il y en a que trois qui le font. Et ben justement parce qu'il y en a que trois qui le font, il faut absolument que ce soit visible pour qu'il y en ait plus que trois qui le font. Surtout pour les sujets qui sont très atypiques et qui sont en plus pas forcément publicités par l'ensemble de la communauté. Quand je parle de ça, je parle des initiatives qui sont très innovantes, parfois liées avec des technologies comme les intelligences artificielles ou ou associés à des logiciels qui sont pas forcément utilisés par tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du jeu de rôle sur Discord, mais il n'y a pas que ces plateformes-là, il y a d'autres plateformes aussi qui sont gratuites et qui sont très intéressantes. Donc l'idée, c'est de proposer un maximum de possibilités pour que l'accessibilité soit beaucoup plus large, que le spectre soit plus large, que le rayon d'action soit plus large et que chacun puisse trouver son compte. Donc l'idée, c'est pas de faire la pub d'une discipline, une pratique ou un style, mais de dire il existe tout ça et vous en faites ce que vous voulez. C'était par exemple un débat comme avec la grille des notations de MJ, je sais qu'elle a fait énormément couler d'encre, pas forcément bien. Surtout que c'était une initiative à la base qui n'était pas du tout proposée par la FEDE, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on n'est pas du tout fermés aux initiatives qui sont locales. Et c'était une volonté de leur part d'avoir un point de réflexion sur comment on fait s'il y a des MJ qui veulent facturer, comment on fait pour, on va dire, évaluer leur capacité, leur professionnalisme, etc. Et donc, aujourd'hui, vu le jeu de rôle, ça peut se professionnaliser, c'est un service qui peut se facturer. Donc vous, membres du CA, allez peut-être être confrontés à des questions, à des débats, parfois même à trancher sur certaines décisions en termes de diffusion d'informations ou de validation de contenu sur des points de réunion particuliers, qui vont être soumis bien sûr à des votes de la communauté. Il y aura comme des sondages par exemple. On a fait un sondage récemment on est en train de faire un sondage, pardon, qui va être envoyé à la CNL, donc le Centre National du Livre, pour faire reconnaître le jeu de rôle en tant que livre et objet culturel, puisqu'il n'est toujours pas reconnu comme objet culturel. Bah, d'abord, c'est quand même un livre, quoi. Aujourd'hui, il y a des jeux de rôle qui ne sont pas sous forme de livre, mais quand même, il y a beaucoup de jeux de rôle qui sont quand même sous cette forme et on peut pas l'ignorer. Donc, vous voyez, vous avez, des choses qui sont très variées en termes de prise de position en termes de, j'allais dire de lutte. On n'est pas en train de lutter, mais en termes de, on va dire, d'avancer petit à petit vers une évolution du jeu de rôle, de sa nature, parce qu'il est un peu protéiforme aujourd'hui, le jeu de rôle, et même des jeux vidéo de jeu de rôle.
Il y a des rôlistes qui disent que le jeu vidéo ne sera jamais un jeu de rôle, et d'autres qui disent, bah, si, quand même, il y a des jeux de rôle, Life is Strange, Fallout, on peut dire que c'est des jeux de rôle. Donc, si vous voulez, on est constamment sollicité pour nous prononcer sur ce type de débat, et à un moment donné, on a envie de répondre, le jeu de rôle, il est ce que vous avez envie qu'il soit. D'accord? C'est vous, c'est la communauté qui va changer la définition du jeu de rôle au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la culture pop et de la culture tout court d'ailleurs. Donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser, là, c'est une question ouverte, c'est quelle est votre position par rapport à ce qu'est le jeu de rôle? C'est pas une question piège, c'est une question ouverte. Vous okay, avez 4 heures. Je... Allez, je me lance. Ce sera pas assez. Je vais me répéter, le jeu de rôle, c'est un média absolument incroyable. Ça libère l'expression. Il y a un jeune garçon que je connais bien, c'est moi. J'étais timide ado et grâce au jeu de rôle, ça a totalement libéré ma parole, y compris des tas de personnes autour de moi. Une remarque aussi sur ce que je disais sur l'accessibilité. Un truc que moi, je prévois de faire. Alors, j'ai pas encore commencé puisque mon jeu est pas fini, mais c'est de l'enregistrer en vocal. Ce qui fait que quelqu'un qui aura des problèmes de lecture ou de vision pourrait aussi découvrir le jeu en audio. C'est une piste comme une autre. Et concernant les auteurs, j'ai vu ça hier. C'était la journée mondiale des droits d'auteur. Donc, peut-être que l'année prochaine, il y aura un truc à fêter du côté de la FFJDR, mais on verra bien. Donc, concernant, je dirais merci, que le jeu de rôle, c'est un formidable moyen narratif. On raconte des histoires, on vit des histoires, des aventures ensemble. On a tous connu les livres dont vous êtes le héros. Les jeux de rôle, ce sont des aventures dont l'équipe en sont les héros, ses principaux acteurs. Le MJ n'est que le narrateur. Le MJ raconte l'histoire, les joueurs vivent l'histoire. Ça permet aussi, alors là, c'est surtout en fonction des gens, mais il y en a qui peuvent se lancer dans des démonstrations théâtrales de l'interprétation de leur personnage. C'est magnifique. Surtout quand on a des gens qui sont à la base timides et qui s'approprient un petit peu l'univers dans lequel ils sont et se sentent complètement à l'aise et racontent des choses merveilleuses en fonction de comment ils ressentent eux-mêmes les choses. Ça peut avoir des points de vue aussi psychologiques par rapport au vécu de certains, très, très important, très intéressant à étudier aussi. Bah oui, moi je rejoins un petit peu tout le monde. Pour moi, c'est un mixte de plein de choses. C'est un mélange de littérature, de théâtre, de jeux, de moyens d'expression, de médias. Enfin, on peut remettre tellement de choses dans le jeu de rôle finalement. Mais voilà, que ce soit dans le fond ou la forme, pour moi, c'est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui en plus, le JDR, qui est plutôt à l'origine sous forme de bouquin, il va prendre plein de formes différentes, audio, pourquoi pas juste illustré aussi, ça peut être une piste. Enfin, il va y avoir tellement de choses, donc au final, ça, moi je trouve que c'est vraiment un tout, avec quand même des piliers qui sont, pour moi, le fait d'avoir un scénario, le côté histoire et le côté interprétation des personnages. Mais il y a une base, mais sinon après, on y met ce qu'on veut dedans. Voilà. Moi, je ne me prends pas trop la tête. Je ne prends pas trop de risques, vous avez remarqué. C'est une bonne technique aussi. Pas répéter, du coup, ce que vous avez dit sur les formes du jeu de rôle, je pense que si je devais résumer mon point de vue sur la fonction, j'en verrais trois principales. Le divertissement, mais bon, ça c'est en français des portes ouvertes. Pour moi, le jeu de rôle, c'est également un art. C'est réellement une forme d'art, et même si je puis me permettre d'art total, car ça ouvre des possibilités d'interaction entre les différents éléments qu'il compose, mais également entre le créateur et le public. Le public qui devient créateur, c'est absolument formidable. Ça dépasse de loin toutes les formes qu'on avait prévues précédemment. Pour moi, l'interactivité est vraiment la clé des nouvelles formes artistiques. La dernière chose, c'est un outil. Et à ce titre, je le vois à travers les interventions dans les milieux thérapeutiques hospitaliers qu'on rencontre. C'est une force extraordinaire qu'on peut manier pour amener des gens à s'exprimer sans qu'ils s'en rendent compte, à exprimer des choses qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient envie ou besoin d'exprimer. Du coup, à ce titre, si je dois peut-être nuancer le tableau, c'est un outil qui
peut être mal manié, qui peut faire des dégâts. Je pense que nous avons tous conscience de la notion de sécurité émotionnelle. Et je pense que c'est une très bonne chose que le jeu de rôle se répande, mais aussi se conscientise, pour qu'on puisse utiliser cet outil de nouvelles formes, mais également de la meilleure manière possible. Parce que c'est un enjeu réel, typiquement avec des publics fragiles, par exemple. Ouais, c'est clair qu'il faut être hyper bienveillant quand tu fais du jeu de rôle. Il faut faire du JDR pleine conscience. Voilà, j'ai cassé l'ambiance, hein, je suis désolé. Non, pas du tout. Tu n'as pas du tout cassé l'ambiance, je pense que c'est très important ce que tu viens de soulever. Le jeu de rôle, c'est un moyen d'expression, donc en tant que moyen utilisé par des mauvaises mains, ça peut faire beaucoup de mal par des gens qui peuvent déjà être blessés par des choses qui leur est arrivées dans leur passé. Ça peut éventuellement faire ressurgir des choses. Ça peut aussi participer à en guérir. Donc, tout reste une question de comment utiliser la chose, de la présenter. Et bon, évidemment, sur certains sujets, pas aller trop loin non plus. Les limites de jeu de rôle, ça, c'est un vaste sujet. Justement, j'aimerais bien vous poser une question. Quelles sont les limites que le jeu de rôle ne peut pas franchir ou que les personnes qui le pratiquent ne peuvent pas se permettre de franchir, justement, d'après vous? Vas-y, je t'en prie. Bon, après, je pense qu'il y a un peu un contrat social, d'une certaine manière, même si parfois il est implicite, entre le MJ et les joueurs. Moi, pour me jeter pas mal en convention, ça, finalement, quand on présente un jeu de rôle, ça sert un petit peu aussi à ça, à tout de suite dire, bah voilà, la partie, elle est potentiellement, elle peut être déconseillée au moins de tel âge, le jeu, il est tel univers, il a tel degré de violence dedans, la partie, elle dure tant de temps, le scénario, il va traiter tel sujet. Pour ça que c'est important d'être hyper explicite sur le contenu de la partie en convention, tout ça. Mais comme c'est des parties découvertes souvent, c'est rare que ça aille hyper loin, mais bon, après, c'est toujours bien de le préciser. Et après, quand tu joues plus avec des gens que tu connais un petit peu mieux, ou en campagne, ou ce genre de choses, je pense que c'est quelque chose qui se discute en amont, les limites de chacun, les sujets qu'ils aimeraient peut-être pas aborder et tout. Je pense que c'est ce genre de choses qui, il faut communiquer, en fait, tout simplement, sur ce genre de choses-là. C'est hyper important. Et voilà. C'est les limites de chacun. Faut juste être au courant, par contre. Mais voilà. Pardon, je t'ai coupé. Non, pas de souci, mais t'as bien résumé ce que j'allais dire. En fin de compte, les limites du jeu de rôle, elles sont un petit peu similaires aux limites sociétales. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dans la société qui sont très, très, très sensibles. Il appartient aussi à chacun, puisque lorsqu'on fait du jeu de rôle, enfin, des personnes humaines qui faisons du jeu de rôle, c'est comme si là, on avait un débat sur un sujet politique. Là, bon, ben, si on fait une partie de jeu de rôle, il y a des sujets, par exemple, des sujets, des points sensibles de religion, ou sur de la pédophilie, ou des phénomènes d'accident qui peuvent, des fois, dans des jeux, peuvent être violents, qui peuvent être de bon augure, de pas trop aller dans le détail pour ne pas choquer. Ensuite, comme tu dis, surtout ça, c'est surtout pour les conventions. Il y a la notion de PEGI du jeu qui fait que, bon, bah, si on a un jeu qui est PEGI 16, on va pas le faire jouer à un petit groupe de jeunes adolescents qui veulent découvrir, parce que ça va pas les mettre en condition pour aller plus loin. Ça risque de peut-être les choquer. Ils vont peut-être avoir des images qui vont leur rester qui sont pas celles qu'on, nous, on va vouloir envoyer. Ouais, alors, pour les limites, mon micro est ouvert. Pour les limites, je pense que les limites, c'est surtout celles qu'on veut s'infliger. En ce qui me concerne, j'ai plutôt la préférence de jouer sans m'inquiéter des limites. Et le recours aux outils de sécurité, ça a bien changé. Et ça permet de simplifier ma pratique et les jeux que j'ai avec mes joueurs et joueuses. Où en fait, on s'inquiète pas en permanence de qu'est-ce qu'il faudrait pas faire, pas dire, quel sujet ne pas intervenir. On sait qu'on a le moyen de mettre une scène ou un dialogue ou une action hors champ et de continuer. Et puis ce qui peut être bien aussi, c'est après une session, de faire comme ça arrive en GN, c'est-à-dire des petits ateliers de sortie pour être sûr que tout va bien, si on veut revenir sur certains sujets. Et quand je parle, pour ce qui me concerne bien sûr, de jouer sans limite, c'est que j'ai envie d'explorer
et d'explorer des choses que je ne connais pas sur ce que je vais être capable d'interpréter. Pareil pour les autres. Du coup, il m'a, enfin, comme j'ai un groupe de joueurs où on se lâche, bah, y a des rires, il y a des larmes et des vraies larmes et ça fait du bien. Et des fois, on finit les séances en étant rincé, mais tout va bien. Donc, on passe des grands moments et le jeu de rôle a cette force-là. On peut très bien être ému devant un film. Pourquoi on serait pas ému autour d'une table de jeu de rôle? Et si on est OK avec ça, tout va bien. Et si à un moment on est gêné par quelque chose, on avance. Voilà ce que j'en pense des limites. Oui, mais là, tu as absolument raison. Ça me rappelle quelques parties de Cthulhu que j'avais fait avec un MJ très talentueux pour décrire des ambiances d'horreur de Cthulhu. Nous étions tous des joueurs adultes et mûrs et adeptes de ces ambiances horrifiques. Mais à un point qu'on avait fait une partie, c'était en été, il y a des gens qui ont eu froid, qui ont dû mettre un pull parce qu'ils avaient eu peur de la situation décrite alors qu'on était en plein été. Mais moi, de mon côté, je vais peut-être donner une réponse un peu universitaire. Je suis désolé, c'est peut-être une déformation professionnelle. C'est difficile de décrire la limite du jeu de rôle dans la mesure où c'est difficile de décrire c'est quoi le jeu de rôle. C'était tellement de formes que finalement, on va se mettre d'accord sur c'est quoi les limites d'une fiction interactive cadrée par une structure ludique. Effectivement, on a mentionné tout. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer pendant une partie de jeu de rôle? Mais là, à nouveau, c'est toujours une question de contrat social. En fait, je pense que la limite inhérente de la fiction, c'est dans quelle mesure est-ce que les gens s'investissent et savent s'y investir, en fait. C'est-à-dire qu'il est toujours possible de faire des trigger warnings, il est possible de faire des règles de sécurité émotionnelle pour empêcher des sujets trop sensibles à toucher, etc. La vraie question, c'est quand les gens ne savent pas qu'ils sont sur le point d'entrer dans leur propre limite émotionnelle, quand ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils souhaitent même chercher dans un jeu de rôle de manière générale, quand ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont envie d'y apporter. Tout ça, c'est des choses qui peuvent freiner une séance, simplement si les gens ne savent pas quoi impulser dans le groupe, et puis peuvent carrément l'accidenter si les gens ne savent pas simplement, pour commencer, c'est quoi le contrat social et comment le respecter, même s'ils sont complètement disposés à le faire. C'est juste que c'est difficile, en fait, finalement, de savoir quel est notre rapport à la fiction et, du coup, quel est notre rapport à l'imaginaire et à l'inconscient. Parce que, par définition, c'est pas quelque chose qui se conscientise, en fait. Voilà. C'est mieux si j'allume mon micro. Autre chose à rajouter? Il paraît. Non. Non. J'avais une dernière question à vous poser. Ça concerne aussi les limites, mais c'est un autre genre de limite. C'est les limites, les périmètres d'action de la CD. La question qu'on avait posée à la communauté, c'est est-ce que nous pourrions accompagner les personnes qui souhaitent transformer leur passion en activité professionnelle? Est-ce qu'il est pertinent de pouvoir les accompagner là-dessus et de réaliser, par exemple, j'allais dire pas un certificat, parce qu'on n'est pas un centre de formation, mais par exemple, proposer voilà, les 10 qualités qu'un MJ devrait ou pourrait avoir dans le cadre de son activité professionnelle. Est-ce que ce sont les mêmes que doivent avoir les animateurs de l'émission spéciale? Quelle est votre position par rapport à ce sujet? Si je peux me permettre, je réponds en premier parce que je trouve ça hyper intéressant. Moi, je ne comprends pas du tout pourquoi il y a un tel débat autour de la professionnalisation des MJ et le fait qu'ils veuillent faire un business autour de leur passion. Moi, je suis hyper pour, personnellement. Je trouve que un MJ, quand il prépare pour ses 5 potes une campagne, il y passe des dizaines d'heures, voire plus. C'est un vrai boulot, un vrai travail. Je vois pas pourquoi ce serait pas rémunéré. Après, faire du MJ avec tes potes et être pro, c'est pas pareil, mais ça demande une préparation, de l'expérience. Enfin, c'est tout comme une activité professionnelle, donc je vois pas du tout pourquoi ça serait pas reconnu comme tel. Je pense que ce serait largement mérité, et je suis hyper pour, en fait, que la FFJDR soit un peu comme une sorte de tampon sur MJ pour dire à lui, il est bon, il mérite, et que ce soit un peu une gage de qualité pour le MJ, que ça lui donne un petit truc en plus, le fait d'être validé, bon, désolé du terme, mais voilà, par la FFSDR, le fait en mode testé, approuvé, tout ça, le fait qu'on devienne une sorte
d'un apport de crédit, une preuve sociale pour un entrepreneur qui se lance dans le mijotage professionnel de jeux de rôle. Moi, je suis à fond dedans. Voilà, je suis hyper pour. C'est mon avis, mais voilà, je suis hyper pour. Alors, ben, dans l'absolu, sur le principe, moi, le fait d'avoir un MJ pro, je suis complètement pour. Le truc, c'est que avec la petite validation FSJDR ou n'importe quel autre type de validation, en fait, en fin de compte, c'est un peu comme si tu remplissais les cases d'une charte, un peu comme des cases à cocher qui fait que, en gros, bah, t'es un beau MJ ou pas. Mais le problème, c'est que bah, ça, dans la mesure où tu deviens MJ pro, bah, dans ce cas, tu te retrouves confronté à tous les autres problèmes qu'ils ont tous les corps de métier qui existent. Par exemple, prends un boucher, et ben il y a des bons bouchers, des mauvais bouchers, et ce sera exactement pareil que tu sois pro ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors ensuite, on est bien d'accord sur le fait que le MJ, enfin la personne qui est MJ depuis déjà longtemps et qui veut faire ça en mode pro, bon, il y a d'autres problèmes de rendement qui font que est-ce qu'il va pouvoir en vivre, mais ça c'est encore autre chose, étant donné qu'au niveau de la demande, bon, je pense qu'on n'y est pas encore. Mais le fait que le MJ qui va se prétendre pro risque pas forcément d'être un bon MJ pour autant, tu vois. Ouais, et puis du coup, les bons MJ, c'est comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Ça me semble un peu compliqué. Moi, ça m'embêterait que la FFJDR soit un organisme qui donne des bons points ou des mauvais points à des MJ, parce que il y a des MJ qui pourraient plaire à certains d'entre nous. Je pense que autour de nous six, il y en a certains avec qui on partage une conception du jeu, en tout cas un plaisir de jeu, mais on peut avoir des approches différentes. Donc c'est pas parce qu'un MJ est bon avec son groupe qu'il sera bon avec des gens qu'il connaît pas. Tout au plus, je crois que effectivement la FFJDR pourrait dire quels sont des leviers relativement incontournables de qualité, ne serait-ce que la ponctualité, la transparence dans les tarifs, penser à un feedback, peut-être un justement un point après partie sur ce qui s'est passé. Alors il y a les feedbacks à chaud, ce qu'est le feedback à chaud, on a généralement tout le monde, ouais c'était super, merci, mais le feedback à froid, 24 heures plus tard, 48 heures plus tard, est-ce que finalement c'était bien? Voilà, donc pour ce qui est des MJ pro, oui, pourquoi pas. Moi, si je devais juger des MJ, je pense que je serais assez exigeant, parce que je suis déjà très exigeant avec moi-même, donc je suis exigeant H24. Un peu casse-couille, peut-être, mais voilà, donc faut se lancer. Et puis en plus de ça, je pense qu'un MJ Pro, sa première notation, c'est les joueurs qu'il a eu. Et s'il n'a pas mis une bonne ambiance ou si les joueurs n'ont pas pris du plaisir, bah il va pas aller très loin. D'autant plus que un des trucs qui fait agir la communauté release, c'est de se dire que si tu es MJ Pro, tu peux être conditionné au fait que des joueurs veulent à tout prix être les héros de ce que tu veux, de ce que tu vas leur faire jouer. Sauf qu'en réalité, le jeu de rôle, assez souvent, c'est un jeu de friction dans lequel on amène des difficultés à des joueurs et des personnages. Ils affrontent ces difficultés, un peu comme dans la thématique du voyage du héros, et ils réussissent, et ils grandissent, ils deviennent meilleurs. Donc, c'est un peu le système qu'on a avec les jeux classiques type Donjons et Dragons, où on bat des adversités, on devient plus fort, ainsi de suite. Il y a eu des cas de figure, moi je me rappelle de quelqu'un qui avait posé une annonce, il cherchait un MJ pour le faire jouer lui tout seul, il avait fait son cahier des charges dans lequel il voulait être ceci, agent secret, avoir une histoire amoureuse. Moi j'avoue, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça surréaliste, mais après tout, pourquoi pas. Donc il faudrait quand même réussir à maintenir le sel de ce qui est un jeu de rôle, ou de ne pas s'en écarter. C'est pas parce qu'on a des clients, parce que sur les MJ Pro, ben les joueurs sont des clients, qu'il faudrait faire que du truc comme ils veulent, et que le jeu soit du gâteau H24. Je pense qu'un des plaisirs du jeu, en tout cas un des trucs qu'on apprend avec le jeu de rôle, ben c'est résoudre des situations sociales, des dialogues, et il n'y a pas que la technicité des combats. Voilà, voilà. D'autres points que vous souhaitez aborder? Pardon? Justement, j'allais demander si d'autres d'entre vous souhaitent intervenir. De mon côté, en fait, la notion de MJ professionnel, je pense que la dénomination en fait est trompeuse.
quand j'imagine un MJ qui va venir en tant que professionnel pour des clients du coup qui sont ses joueurs pour animer le temps d'une soirée, ce qu'il est avant tout en qualité professionnelle, c'est un animateur en fait. Et là est le socle qu'on peut vraiment évaluer. Quelqu'un qui fait de l'animation, qui anime un groupe, qui le fait jouer, il y a un socle commun de compétences qui sont une capacité à impulser d'énergie, une grosse capacité d'écoute et d'adaptation rapide. Et ça, ce sera le même tarif pour tout le monde. N'importe quel MJ professionnel doit avoir ses qualités, nécessairement. Mais parce que c'est pas une question d'MJ. Pour ce qui est du coup du jeu de rôle qui vient de se décorer cette animation, qui vient se poser par-dessus, là, les goûts diffèrent énormément, en fait. Moi, par exemple, je ne serais pas du genre à dicter quel genre d'aventure je voudrais avoir. Au contraire, j'aimerais me laisser surprendre. Et donc là, du coup, le profil du MJ, donc vraiment en qualité de MJ et pas juste d'animateur, il va vraiment varier. Et ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre, en fait. Il ne faut pas se tromper dans les référentiels. Ensuite, effectivement, il y a des techniques d'animation propres au JDR, par exemple la sécurité émotionnelle qu'on mentionnait précédemment. Mais c'est difficile de dire qu'est-ce qui fait un bon JDR et qu'est-ce qui, du coup, fait un bon meneur. À cela, je rajouterais une dernière chose qui est que typiquement, si moi par exemple je devais payer pour qu'on fasse du jeu de rôle chez moi, je ne paierais pas pour le jeu de rôle, puisque ça je peux l'avoir quand je veux en fait. Je viendrais pour, je paierais pour quelqu'un qui sache mener une soirée et emmener les gens qui y participent avant tout, avant de payer pour le jeu de rôle, parce que effectivement, ça c'est accessible à peu près partout. Mais plus pour une prestation en fait, c'est ça que tu veux dire, prestation pro et tout. Parce qu'on peut parler en monnayer des formes de jeux de rôle. Alors c'est vrai qu'on peut monnayer le fait que le MJ se plie entièrement à ce que je cherche à avoir et du coup cesse un peu d'être joueur lui aussi, d'avoir ses propres envies à table, c'est vrai. Mais dans l'absolu, on peut pas considérer que X formes de jeux de rôle ou X séances valent plus qu'une autre. C'est vraiment la prestation et le socle d'animation qui est la notion professionnelle, en fait. Et le jeu de rôle vient juste se poser dessus. Après, je pense qu'un MJ Pro, il serait assez indépendant. Donc après, je pense que par rapport à ce qui a été dit avant, les clients qui voudraient vivre leur propre aventure et un peu dicter le scénario du MJ, pour moi, c'est une demande effectivement qui peut arriver quand on est MJ professionnel et qu'on répond à la demande du client. Pour moi, je vois pas. Tu vois, c'est le MJ qui gère, c'est son business. Il est indépendant, il choisit, il prend, il prend pas. S'il sent de répondre ou si c'est plus un MJ qui va dire bah non, moi je préfère organiser et emmener les gens dans mon propre univers. Il y en a d'autres qui vont complètement s'adapter à la demande et ça dépend des profils. Pour moi, c'est je pense que. Mais après, je suis d'accord avec ce qui a été dit aussi sur un peu les limites et les effets un peu pervers et les déboires que ça peut avoir. Il faudrait que ce soit cadré et réfléchi. Là, pour l'instant, on en parle à chaud parce que c'est un peu un stade assez embryonnaire du projet. On débriefe un petit peu, mais il est clair qu'il faudra éviter un certain nombre d'effets un peu pervers à ça, bien sûr. Bien sûr. Quelque chose que je trouve qui peut être un petit peu dangereux entre guillemets aussi, c'est que dans la mesure où je vais vouloir faire une partie donc rémunérée avec 2-3 amis, deuxième attaque de chat, désolé, avec des amis, donc je vais payer, mettons, un MJ 80€ la séance, c'est quelque part pour avoir des résultats. Donc imagine que, allez, on est un groupe d'aventuriers, on se bat dans la forêt, et premier combat contre un groupe de marmottes, bim, échec fatal, je meurs. Et ben là, je vais peut-être me dire, mais attends, j'ai pas payé pour ça quand même. Donc c'est peut-être aussi quelque chose à prendre en compte. Alors ou que là j'abuse avec le coup de la marmotte, hein, mais représenter par exemple la déception d'une personne qui va vouloir payer une prestation et qui va être déçue suite à des échecs qui peuvent arriver. À nouveau, c'est une question de communication entre client et prestataire. Oui, voilà. Est-ce que le prestataire est capable d'anticiper les besoins du client, de poser les bonnes questions pertinentes pour cadrer, cerner qu'est-ce qu'il veut et livrer derrière? Dans le jeu de rôle ou quoi que ce soit d'autre. Mais du coup, si on résume ce que vous avez dit, il serait plus judicieux de proposer un recueil de conseils de choses qu'il vaudrait mieux éviter de faire, c'est-à-dire oublier de respecter un contrat moral, un contrat social ou une sécurité émotionnelle, ou oublier de demander les attentes de la personne,
Donc, c'est, limite, ce serait plus simple de proposer une série de questions que le MJ ne devrait pas oublier de poser à ses clients. Mais ça peut finalement être valable pour même des MJ bénévoles qui sont invités à proposer une animation. C'est finalement, ah oui, pour quelles questions sont-ils pertinentes de poser à ces joueurs ou aux orgas quand pour ne rien oublier et de bien répondre à la demande, est-ce qu'il y a un cahier des charges lequel ? C'est plus des questions qu'il faudrait penser à se poser et ensuite dont les réponses varient totalement en fonction du type de jeu, du type d'auteur, du type d'univers. Là, c'est impossible de définir ce qui est bien ou pas bien et d'ailleurs, ce serait même pas pertinent de juger bien ou pas bien. Mais de plus, comment assurer la sécurité et la réussite de l'événement en fonction des attentes, plus se baser sur des questions par rapport aux attentes des deux côtés que de vraiment la nature même du JDR qui va être protéiforme en fait. C'est ça. Ouais, alors moi j'irai un petit peu plus loin. Moi je trouve que le MJ certifié FFJDR, c'est pas mal. Pour ajouter un peu de crédit, après, bien évidemment, à réfléchir de ce que ça voudrait dire, mais que le fait que ça pourrait être un petit plus, genre, admettons, moi, je recherche un MJ un peu de confiance, l'idée même presque d'avoir une plateforme où effectivement, il y aurait des MJ qui seraient proposés, on pourrait voir le nombre de parties qu'ils ont fait, les feedbacks, et en plus, une sorte de petit patch avec écrit certifié FFJDR où on se dit, ah bah, il a plutôt des bonnes notations. Et en plus, petit bonus, il est certifié FFJDR. Après avoir ce que ça veut dire, ça derrière, faudra être hyper transparent d'ailleurs, même avec les gens, avec les potentiels clients de ce que ça veut dire aussi, bien sûr. Mais je pense que ça peut être un petit bonus, c'est rajouter du crédit. Mais ce n'est que mon avis, hein, évidemment. En fin de compte, après, c'est humainement parlant, il faut surtout pas, en fait, faire tout pour éviter le syndrome du certifié FFJDR égale supérieur à quelqu'un qui n'est pas certifié. Uh-huh. Et puis surtout, que les personnes qui font partie de la FFJDR ne soient pas, ne soient pas dans une position de sachant par rapport à des personnes qui ne font pas partie de la FFJDR et qui auraient les talents d'être pro ou de pouvoir aussi évaluer les qualités d'un animateur. C'est-à-dire que finalement, on peut très bien ne pas avoir de lien avec la FFJDR et être un excellent MJ. D'être désavantagé puisqu'ils n'auraient pas cette certification alors qu'ils sont aussi excellents. Donc je dirais que moi personnellement, j'ai un gros doute sur le fait que créer une certification FFJDR soit pertinent, en tout cas pour le moment. Parce qu'on n'est pas en mesure de donner des garanties dans cette certification. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne veut pas pénaliser les personnes qui ne souhaitent pas avoir cette certification et qui sont de très bons professionnels ou de très bons animateurs, de très bons animateurs. Mais après, ça peut être un débat qui peut durer longtemps, hein, puisque on parle comme ça pour connaître vos points de vue sur les positions que peuvent prendre la FFJDR, les possibilités que peuvent embrasser la FFJDR et aussi les droits et devoirs de la FFJDR. Ça, c'est des choses qui sont aussi évolutives et aujourd'hui, c'est des questions qui sont importantes et qui soulèvent beaucoup de débats. Diane, je voudrais ajouter quelque chose, ouais, sur ce sujet-là. La FFJDR pourrait très bien être une porte d'entrée pour des gens qui chercheraient à trouver des MJ Pro pour leur filer une liste. Et un truc qui pourrait permettre, en tout cas, d'avoir un feedback des joueurs, c'est que les joueurs et joueuses fassent un feedback à la FFJDR, et la FFJDR consigne globalement si les joueurs ont aimé ou pas aimé, et ça pourrait éviter de se retrouver finalement pas très à l'aise d'avoir conseillé des personnes ou donné des listes et finalement avoir des feedbacks négatifs. Ensuite, quelque chose qui pourrait être facilement reproché à la FFJDR, parce que quand on écoute les plus aigris, il y aurait des casseroles, mais en résumé, on doit éviter le syndrome de laisser croire qu'il y aurait du copinage. Le but, c'est pas ça, c'est uniquement d'apprécier la capacité à délivrer une prestation et d'avoir été attentif à ce que les joueurs et joueuses aient pris du plaisir. Le dernier point, c'est d'assurer qu'il n'y aurait aucune relation financière entre les MJ Pro et les FFJDR, tout bonnement parce qu'ils sont sur une liste. Je pense que ce serait important, et pour faire comprendre que la FFJDR a à cœur de représenter tous les rôlistes et non pas seulement ceux qui auraient cotisé et qui seraient membres de la FFJDR.
Ok. Ben, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir partagé avec transparence et sincérité votre point de vue. De toute manière, ce qu'on dit aujourd'hui, ça peut tout à fait évoluer en fonction des interactions qu'on va avoir avec la communauté. Nous, on écoute énormément les opinions, les avis, les conseils et les points de mise en garde qu'on nous envoie. Donc, si vous qui regardez cette vidéo avez envie de réagir, surtout n'hésitez pas ou à réagir en commentaire de la vidéo ou nous envoyer des messages pour qu'on puisse justement récolter vos témoignages et s'améliorer dans nos démarches. En tout cas, merci encore beaucoup à vous d'être présents ce soir et de pouvoir vous faire connaître et connaître aussi vos engagements, vos valeurs et nous faire part de votre présence qui va nous accompagner toute l'année à partir du moment où vous serez élu. Donc d'ailleurs, n'oubliez pas de voter pour les membres de l'FLJDR. Parce que sans vote, ça va être un peu difficile de faire des élections. Donc, les votes vont avoir lieu jusqu'au 22 mai, si je ne me trompe pas, date à laquelle on annoncera les résultats des votes. Un petit mot pour la fin ? Merci beaucoup, Diane, de nous avoir donné la parole. C'était très cool, ce petit jeu de questions-réponses. On a abordé des sujets très importants et très intéressants. Et je pense que je parle au nom de tout le monde, en tout cas moi, oui. Tout à fait apte et ouvert au débat pour si quelqu'un a des suggestions à apporter ou des compléments à demander. La notion du MJ professionnel fait beaucoup débat. La porte est ouverte, n'hésitez pas. Ouais, moi aussi, je trouve que c'était très cool. Ça nous a permis de confronter un petit peu les points de vue et puis de se positionner. Je pense qu'on a... On se rejoint sur plein de trucs, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué qu'il y a aussi des choses sur lesquelles il y a des disparités d'opinion. C'est vachement intéressant et je pense que c'est très, très bien. C'est très riche. Du coup, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très sympas tous ensemble. Donc, personnellement, j'ai hâte. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de nous écouter et spécifiquement à nos futurs viewers. C'est le début des succès. Je prendrai pas plus de temps, effectivement. Il y a un gros terreau intellectuel, un gros terreau de débat, et je pense que ça va être propice à des évolutions intéressantes. Oui, alors un truc juste pour rappeler que les gens du Sud n'ont pas le monopole de la blague. La marmotte, normalement, elle est censée mettre le chocolat dans l'alu et pas attaquer les PJ. Donc clairement, je pense que la FJDR a de belles heures devant elle, donc je suis plutôt confiant, avec ou sans moi, tout va bien se passer. Non, merci beaucoup en tout cas pour cet échange très, très enrichissant. Il y en aura d'autres bien sûr dans l'année. Du coup, dites-nous aussi en commentaire si vous souhaitez qu'on organise plus de débats et de vidéos, si vous souhaitez qu'on fasse des lives bientôt, si vous souhaitez intervenir aussi en tant qu'auditeur, auditrice, pour poser des questions et venir discuter avec nous pour faire évoluer un petit peu l'activité. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer aussi des messages. Merci beaucoup à tous et puis à bientôt.